À quoi joue le président de la République lorsqu'il organise des débats avec les citoyens français, au-delà des gilets jaunes, pour trouver des solutions? Les solutions qui sont celles qui sont en tout cas les demandes des gilets jaunes, c'est des solutions que les syndicats devraient porter, la négociation des salaires notamment, par exemple, la question de la sécurité professionnelle. À quoi il joue en allant directement vers le peuple? Je crois qu'il joue à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire en enfumage, en essayant de faire une opération de communication. Et en réalité, Emmanuel Macron est rentré en campagne pour les élections européennes. Et ses discours, il vise une chose, c'est-à-dire à beaucoup parler, beaucoup de paroles de la Macronie, pour détourner les revendications de celles et ceux qui se mobilisent. C'est pour ça que la CGT a une position très claire. Nous avons refusé de participer au débat national quand Emmanuel Macron a convoqué les organisations syndicales à l'Élysée, parce que nos revendications, elles sont connues. Et on considérait que dans la lettre de cadrage, avec les 35 propositions, ça ne nous correspondait pas. Par contre, on appelle à investir massivement les débats dans les territoires pour porter les revendications sur les cahiers de doléances, pour faire émerger toutes ces idées qui montent dans le pays. Et nous, on a une question à poser. Quelle garantie on a de transparence sur la restitution de ce débat? Et quelle garantie on a que les idées majoritaires qui vont être portées dans les cahiers de doléances vont se traduire dans les actes politiques dans les semaines à venir? Donc, on sera très attentif à ça et je crois que ce sera un grand moment de vérité du quinquennat. Si Emmanuel Macron ne traduit pas en actes politiques les exigences qui montent dans ce pays, et elles vont rester les mêmes. Je fais le pari que la justice fiscale, la justice sociale, la démocratie participative vont émerger dans les territoires et il faudra qu'elles aient une traduction politique. Sinon, ce sera vraiment l'échec du quinquennat.